Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital. Là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc pour ceux qui m'ont posé la question à savoir comment est-ce qu'on poursuit la bourse Schooltech et la bourse Schooltech prend quoi en charge et la bourse Schooltech qui peut postuler à la bourse Schooltech. Vous devez savoir que la bourse Schooltech c'est ici en Russie et chaque année, voilà, ils lancent des offres de bourse pour les étudiants qui veulent vraiment étudier. Fait des cours en master ou bien en doctorat. Donc ici, par exemple, si je traduis en français, vous allez voir que c'est écrit juste là. Ça, c'est la première page. Schooltech accepte les candidatures au programme de maîtrise et de doctorat. Donc, débarrer votre candidature en cliquant ici. Vous voyez, dans Schooltech, vous devez savoir que c'est master et puis doctorat. Et Schooltech aussi, si je reviens là, 5 raisons de postuler à Schooltech. Profiter des cours et des supervisions de la direction des scientifiques, trouver liberté de choix. Ok, il y a plusieurs types de programmes à pouvoir choisir. Donc, découvrir un environnement international ouvert et dynamique. Et ici, c'est ce qui est très important pour ceux qui veulent vraiment postuler. L'anglais est notre langue d'enseignement et de commerce officiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir postuler, déjà, pour ceux qui ont déjà fait des cours, qui ont étudié en anglais, vous ne faites rien. Maintenant, pour ceux qui étudient en français et qui maîtrisent la langue anglaise, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez à votre administration, vous demandez à ce que on vous fasse comme ça un certificat qui dit que vous maîtrisez la langue, ou bien on vous fait un document, voilà, un document qui dit que vous maîtrisez la langue. Si vraiment vous maîtrisez, ça c'est si vraiment vous maîtrisez la langue. Parce que lorsque vous allez envoyer ce document-là, ils vont vous faire passer un test. Et si le test vous passez, c'est en ce moment-là que vous serez éligible pour la bourse. Vous comprenez? Donc si vous pensez que vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est même pas la peine de pouvoir chercher à postuler à cette bourse-là. Ok, donc ici, pour les avantages, pour ceux qui m'ont posé des questions, des allocations importantes sont disponibles qui dépendent du niveau académique des étudiants. À partir de 40 000 euros par mois. Donc, vous voyez, à partir de 40 000 euros par mois, et dans les programmes de maîtrise, assurance maladie gratuite, variété de programmes, donc, c'est-à-dire que la bourse Schooltech est à 100%, parce qu'il y a les doctorats aussi. Les années qui sont passées, il y a deux personnes qu'on avait suivies qui devaient déjà arriver ici. Donc, c'est vraiment à 100%. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, je crois que vous avez la bonne bourse pour pouvoir postuler. Alors, comment est-ce qu'on fait pour postuler? Imaginons que moi je viens pour faire un master. Donc, je peux venir là. Je regarde rapidement postuler pour le programme de master, programme de maîtrise. Donc, je clique là. Voilà. Et j'arrive là. Date de candidature. Je vérifie rapidement. Donc, nous acceptons les candidatures du master jusqu'au 15 juillet. Donc, il y a un peu de temps, voilà, au moins 3 mois. Alors, ceux qui veulent postuler, je crois que vous avez le temps de vous apprêter jusqu'à ce que vous finissiez de votre procédure. Donc, pour le master, voici un peu les filières qui sont là. Centre de données, il y a data scientist, il y a, en tout cas, c'est une plateforme de science. Donc, ceux qui sont vraiment amoureux de l'informatique et tout, des centres de données, de data science, voilà, je crois que c'est la bonne opportunité pour vous. Et ici aussi, pour pouvoir candidater, voici comment ça se passe. Voilà, candidature sur le portail en ligne. Si vous cliquez là, vous allez aller directement sur la candidature. Donc ici, comprendre votre CV, votre lettre de motivation, de lettre de référence. La lettre de référence, ce sont des lettres de recommandation. Donc vous trouvez deux professeurs qui vont vous faire des lettres de recommandation. Mais n'oubliez pas, faites-les en anglais, c'est assez important. Après ça, n'oubliez pas aussi, si vous avez des questions, laissez les questions en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Et ceux qui aimeraient qu'on suive l'aide aussi sur cette bourse-là aussi, vous pouvez me faire signe avec le numéro qui se trouve en description.
Voilà, on va aussi suivre votre candidature sans problème. Votre diplôme et votre relevé de notes si disponible et votre score TOEFL si disponible. Vous voyez? Voilà. Donc, si vous, je l'ai dit encore, si vous n'avez pas de certificat en anglais, vous pouvez faire une décharge qui dit que vous maîtrisez l'anglais venant de votre prof d'anglais. Voilà, avec son cachet et avec sa signature. C'est assez important aussi. Et essayez de l'écrire en anglais aussi. Donc, test en ligne. Test en ligne. Tous les candidats doivent réussir le test en ligne. Mieux vous le réussirez, plus vous aurez la chance de passer l'étape suivante. Donc, veuillez consulter les exemples de campagne précédentes. Voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi venir là pour venir télécharger les campagnes, les exercices qu'ils ont déjà fait auparavant. Ok, donc, journée de sélection, vous pouvez lire là, vous allez voir la journée de sélection. Nous ne sommes pas là pour faire, pour rendre la vidéo assez longue. Donc, pour le guide de candidature aussi, vous pouvez prendre ça là, vous allez faire pas à pas pour pouvoir vous-même poursuivre. Pour ceux qui veulent vite finir. Donc, ici, le programme de maîtrise et doctorat offre une expérience éducative. Ici, on dit quoi? Des professeurs mondiaux avec des opportunités d'échange international sans frais de scolarité et un seul objectif, préparer les étudiants à avoir un impact sur la Russie et le monde et à favoriser le développement socio-économique à travers découvertes scientifiques et innovations. Ok, donc nous, si on veut procéder rapidement, un instant que je viens ici, ici on dit quoi? Mathématiques, plan d'admission, nombre d'étudiants par programme. Vous voyez qu'il y a assez d'étudiants qui peuvent postuler. En mathématiques, sans des données, ils ont besoin de quoi? De combien? 68. Plan d'admission, nombre d'étudiants par domaine de connaissances. Ici, c'est combien? 91 maximum. Plan d'admission, 68. Et ici, 13. Ici, il y a 10. Ici, il y a 7. Mais dans les normaux, c'est 37 s'il y a plusieurs qui postulent. Il y a assez de place pour tout le monde. Donc, si vous voulez vraiment postuler, je crois que c'est le moment de le faire. C'est hyper important. Ok, donc ici, ici, ce sont les légalisations pour ceux qui veulent vraiment postuler. Donc, l'ensemble général des documents pour réussir la procédure de reconnaissance comprend l'original du diplôme, l'original supplémentaire au diplôme, une copie du document. Identification personnelle du demandeur, une traduction certifiée par un notaire du document d'identification en russe avec une copie jointe de l'original. Donc ça, par exemple, comme ça, lorsque vous allez traduire vos documents, voilà, vous pouvez demander à ce qu'on puisse notarier. Donc pour notarier, vous allez ajouter juste l'original, ils vont regarder et ils vont notarier. Ceux qui cherchent des traductions en langue russe, voilà, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter aussi inbox. On va vous faire des traductions à l'office, la grande office de traduction en Russie ici. Voilà, avec certification et notarié. Donc, une copie du diplôme, une traduction certifiée aussi, conforme par notaire du diplôme en russe. Ok, une copie, ok. Une traduction certifiée par un notaire du supplément au diplôme en russe avec une copie jointe de l'original. Ok, donc vous voyez que ici on dit, veuillez noter que la légalisation dont des documents ne peut être effectuée que par les notaires. Donc, je reprends encore. Donc ici, veuillez noter que la légalisation des documents ne peut être effectuée que par les notaires de la Fédération de Russie. Les exceptions sont les pays avec lesquels la Russie a conclu l'assistance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez postuler à cette bourse-là, lorsque vous faites les traductions et tout ça, c'est seulement ici en Russie qu'on peut notarier, qu'on peut vérifier si vos traductions sont bien faites ou bien si vos documents sont originaux. Voilà, donc c'est ici seulement. Donc ceux qui sont vraiment intéressés pour pouvoir traduire les documents ici, faites-nous signe. Nous sommes là. Ok. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, vous ne voulez pas faire ici en Russie, vous allez voir ici la Cour d'assistance juridique, les pays qui peuvent le faire. Ici, si vous cliquez sur un accord d'assistance juridique, vous allez voir ces pays-là. Vous cliquez là, vous allez voir les pays qui peuvent notarier vos documents. Donc, nous, on va aller rapidement pour essayer de postuler et puis aussi vous montrer comment ça se passe.